Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui très très grosse technique pour vous faire des golds et qui marche très bien. J'ai moi-même de la faire, au début je voulais faire pendant une heure, au final je l'ai fait deux heures et c'est super rentable. Vous l'avez bien vu, j'ai fait 240 000 PO en deux heures, c'est tout simplement parce que c'est une composant, un composant qui est nécessaire aux joueurs et qui n'est pas simple à avoir. Parce que pour l'avoir, il faut donc déjà être level 70, pouvoir avoir accès à Taldrassus. Et surtout, il va falloir venir en fait autour du bastion de tir, venir farmer tous les gardiens titans. Donc les, vous verrez, ils sont en pierre et ils sont tous élites. Lorsque vous tuez ces mobs, vous avez un taux de drop sur une orbe. C'est une orbe des titans qui a 4% de taux de drop, donc qui est très faible en taux de drop. J'ai eu un peu de chance quand j'ai fait mon truc. Des fois, j'en lootais 3 d'affilée, c'était assez incroyable. Et pour le coup, elles se vendent sur mon serveur 9600 l'unité sur l'orbe. On va aller voir tout ça à l'hôtel des ventes, je vais vous montrer. Donc on est à l'HV, on va aller du coup avec l'interface WoW et on va venir chercher du coup orbe des titans. Voilà, bon là elle a un peu baissé en prix parce que du coup il y avait pas mal de gens qui fermaient avec moi. Du coup ils ont dû tous venir mettre ça en vente. Et donc vous voyez actuellement ça à 9500. Donc profitez parce qu'évidemment que le prix va faire que baisser vu que les gens en auront de moins en moins besoin et que les gens qui ont compris que ça se vend cher vont venir de plus en plus les farmer. Bien sûr, donc en deux heures j'en ai fait 25 et tout simplement regardez, je les ai mis en vente, elles ont été instant vendues, toutes mes orbes ici ont été vendues, 77 000, 48 000, 48 000, 28 000, 19 000, 9 000, 6, 9 000, 6, 9 000, 6, j'ai tout simplement 240 000 gold qui arrivent dans ma boîte aux lettres pour deux heures de farm. Donc 2 heures, 240 000 PO, les gars, c'est absolument énorme. Alors, je crois que j'ai un peu de gold dans ma boîte. Voilà, j'avais 22 000 de ce matin, où j'ai farmé un petit peu les compos dans les 4 zones en me baladant. Et aussi, ce qui est important là-bas, c'est que quand vous allez avoir des fleurs ou des mines, elles vont être touchées par les titans. Et donc, ça va vous permettre d'avoir en plus ces petites ordres agités ou ordres réveillés. Et un ordre réveillé, c'est 2500 le. Donc, c'est vraiment assez fou. Et pareil, vous aurez des écorces tordus, des trucs comme ça, des minerais de sévérite 3 étoiles. Non, ça après, ça dépend de vous, bien sûr. Vous aurez des trames sauvages à force de farmer les mobs en lambeaux, etc., etc. Donc, quelques petites compos comme ça, mais surtout les orbes à aller farmer. Je me rends directement là-bas pour vous montrer juste quel mob il faut toucher. Vous voyez, là, on arrive tout simplement au bastion de tir. Vous allez venir tout en haut ici. Et c'est à partir de là où, en fait, lorsque vous allez venir, hop, en groupe de 5, je le rappelle. Groupe de 5, vous allez commencer par, vous voyez ils sont en train de farmer là. Vous venez taper tous les mobs élites ici, sauf les espèces de serpents. Mais tout ce qui est gardien titan, il y en a pas mal aussi à l'intérieur. Regardez, si vous venez ici, tac, vous voyez gardien titan ici. Et tout cela vous les tuez et chacun a 4% de chance de drop une orbe qui se revend 9600 l'unité, 9400. Les prix varient. Au plus haut, elles ont été à 12 000 à un moment. Donc 12 000 x 25 en 2 heures, dites-vous. C'est vraiment énorme. Après, c'est des chances de drop. Donc, il y a évidemment une réalité. Vous allez forcément en avoir une dizaine normalement en 2 heures. Mais aussi votre chance qui va jouer là-dedans. Puisqu'il va falloir avoir un petit peu de chance pour pouvoir les faire tomber. Tout à l'heure, j'en ai fait tomber 3 d'un coup, c'était assez dingue. Pour le coup, parce que c'est vraiment dur à faire tomber, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à venir ici, farmer les orbes. En 2 heures, je fais 240 000 PO, c'est assez énorme. Un jeton, c'est combien actuellement? Un jeton WoW, actuellement, c'est 253 000. Donc là, en fait, en 2 heures, en soi, à 10 000 près, eh ben, j'ai payé un mois d'abonnement. Vous voyez, en 2 heures de jeu, je viens de payer un mois entier d'abonnement. Et c'est vraiment du coup très très cool d'avoir ce type de compo actuellement. Donc profitez du moment parce que ça va baisser dans les prochains jours. Ce sera beaucoup moins rentable. Donc voilà les gars, les orbes des titans, venez les farmer dans cette zone en groupe de 5. Ce sera très rapide. Aujourd'hui en stream, on ira faire à un moment donné un peu de farm là-bas. Donc n'hésitez pas à venir à follow la chaîne Twitch, tout ça. Je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous tous très très bien. N'hésitez pas aussi à dire votre serveur et le prix sur votre serveur. Ça peut intéresser d'autres personnes bien sûr. Je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous tous très très bien.